Wow, comment je viens de grandir? Les abonnés, hier soir je me suis connecté à mon ordinateur. Je me suis installé dans cette petite chaise. Je me suis ensuite rendu sur internet. Et puis ensuite sur le darknet. Ceci étant fait, j'ai ensuite commandé une boîte sur un site interdit du darknet. Une boîte contenant des consommables interdits. Des consommables qui apparemment permettent de se transformer dans des SCP ou des monstres très connus. Et en gros le truc c'est un petit peu une poche surprise. Vous avez des consommables aléatoires, du coup des transformations qui sont au hasard. Ça veut dire que par exemple j'ai pu recevoir des SCP, ou alors j'ai pu recevoir par exemple Sirenhead ou Cartoon Cat, ou encore Cartoon Dog. Salut. Wow, attendez, c'est qui? What? Y'a quelqu'un qui a parlé? Wow. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais attends, comment tu t'appelles déjà? Comment tu t'appelles déjà? Attends, c'est quoi ton... C'est Jackie, regarde. Ah oui, c'est Jackie, regarde, non, mais comment tu peux oublier ça? Qu'est-ce qu'il y a, Jackie? Qu'est-ce qu'il y a, Jackie? Donc, du coup, attends, Jackie. Je vais montrer un truc aux abonnés juste avant. Du coup, le colis vient d'arriver ce matin. La livraison était vraiment express. Du coup, on va pas tarder à l'ouvrir. On va l'ouvrir tout de suite, les abonnés. Enfin, direct, on va aller parler vite fait à Jackie. Je sais pas trop ce qu'il veut, Jackie. Mais du coup, voilà. Le colis surprise est ici. On va découvrir un petit peu tous les consommables et bien qu'on a pu tout simplement avoir. Parce que là, je le rappelle, c'est une sorte de colis surprise. On ne sait pas trop ce qu'on va avoir à l'intérieur, mais on a une idée en fait. J'espère que je vais avoir des trucs du lourd. Hein. J'espère vraiment que je vais avoir des trucs lourds. Parfois, on peut en avoir un seul, mais on peut aussi en avoir beaucoup. J'espère que je vais en avoir beaucoup. Du coup, voilà. Qu'est-ce que tu voulais du coup? Qu'est-ce que tu voulais? Attends. Viens. Faut pas qu'ils nous suivent les autres. Vas-y. Je te suis. Vas-y, dis-moi. Oui. Tiens, une petite bière. Ok, merci. Ok, bah du coup, je vais pas la boire. Non, je vais pas boire ta bière. Ouais, j'en reviens plus tard, au revoir. Ok, bon bah plus tard, ok. Bon, du coup, voilà. Voilà, soit c'était Jackie. Du coup, les abonnés, et bien pour cette vidéo dans laquelle on va découvrir un petit peu le contenu de ce colis interdit du Darknet sur Minecraft, et bien je serai en compagnie de Booba qui est invisible, je sais pas pourquoi il est transparent. Ah oui. Ok, Booba qui est transparent. Il y a aussi, du coup, Tom, ça fait plaisir de te voir ici. Voilà Tom qui est mon fils, et nous avons aussi normalement Mamie Joseph, mais je sais pas où est-ce qu'elle est. Et il y a Monsieur YouTube, voilà. Du coup, est-ce que vous êtes prêts à découvrir le contenu de cette boîte incroyable? Est-ce que vous êtes prêts, les abonnés? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Oui, monsieur. D'ailleurs, juste avant de l'ouvrir, je vous propose que vous regardez. Il y a Monsieur YouTube qui est ici. Monsieur YouTube, c'est l'occasion de demander quelque chose à tous ceux qui sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube. Vas-y, demande-leur. Alors, du coup, abonnez-vous, sinon, bah, menace, hein, vous connaissez la Non, cette fois-ci, on menace pas les abonnés. Enfin, les abonnés, les non-abonnés pour qu'ils s'abonnent. Cette fois-ci, eh bien, on va choisir juste, tu vas leur dire de s'abonner. Comme ça, ils ont quelque chose de gentil, tu vois. Vas-y, dis-moi. Alors, aux personnes non abonnées, alors, je vous conseille de vous abonner parce que les vidéos de Diabolo sont excellentes, forcément. En plus, vous avez plein d'avantages. N'oubliez pas la cloche de notification, bien évidemment. Attends, c'est Booba qui a... J'ai entendu Booba qui a toussé un peu, hein. C'est ça. Sur les vidéos de Diabolo sont excellentes, j'ai entendu Booba qui a toussé un peu. Oui, bon, vas-y, tu peux continuer. Du coup, disais, n'oubliez pas aussi d'activer la cloche afin de suivre bien évidemment les vidéos et ne louper aucun épisode de la saison 5. Bien vu. Bon, tout ce qu'il y a à retenir en vrai de vrai, c'est... Qu'est-ce qu'il y a, pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Pour essayer de sauver aussi Monsieur YouTube, parce que je le rappelle, en gros, Monsieur YouTube, c'est un personnage qui avant était complet, sauf que vu qu'en ce moment, il n'y a pas trop d'abonnements, et bah du coup, petit à petit, il devient de... Il disparaît petit à petit, du coup, abonnez-vous, activez la cloche de notification, et si vous le faites, et bien peut-être que Monsieur YouTube va réussir à survivre. Et puis surtout, c'est pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Bref, je pense que vous avez assez attendu pour découvrir le contenu de cette boîte surprise. Du coup, est-ce que vous êtes prêts? C'est un kit de surprise ou pas, Diablo? 3, 2, 1, ouverture! Waouh! Tellement stylé, ok. Nous avons 7 items. Surprise, hein. Alors, on peut voir en avoir entre 1 et 10. Si on est 9 x 3, 27. Du coup, on peut en avoir entre 1 et 27. Et on en a eu 7. Chacun. Du coup, on a eu Sirenhead. Ce sont des consommables. Hein. Ce sont des choses en fait qu'on peut manger. Ça veut dire que je vais pouvoir manger ça, Sirenhead. Et me transformer en Sirenhead. Ensuite, du coup, j'ai du Cartoon Cat. J'ai du SCP 1471. Ok, c'est stylé. J'ai du SCP 682. J'ai du SCP 084. 96, incroyable. SCP 173. Et j'ai aussi du SCP. Oh, Booba, rends-le-moi, Booba. Je te les chourave. Non. Allez, tu me le redonnes. Non, tu me le donnes. Wow. Hey, il m'a jeté mon. Je l'ai récupéré. Du coup, 1057. On va observer un petit peu plus. Et bien, tout ça. Sur un item frame, voilà, ça va être un peu plus stylé. Voilà, ok, tac. Diabolo, faut manger ça dans la cuisine. Waouh, ok. Oui, c'est bon, du coup, nous avons Sirenhead. Ok, il est stylé, Sirenhead. Hop, je vais le reprendre. On va observer Cartoon Cat. Tac. Mince, qu'est-ce que je fais? Voilà, Cartoon Cat. Ok, stylé. Et franchement, ils sont stylés, hein. Ils sont stylés, leurs consommables. Franchement, il y a du taf qui a été fait. Ouais, okay, Mamie Josette, je crois l'avoir entendu. Allez, au-dessus.
Attends, y'a Mamie Josette. Non. Elle est là, regarde. What? Y'a Mamie Josette, elle est là. Oh, Mamie Josette, comment ça va? Oui, ça va. Ça va bien, Mamie Josette? Elle met son appareil auditif et nous entend pas. Ouais, faudrait qu'elle mette son appareil auditif, parfois elle nous entend pas tout le temps. Bon, du coup, ensuite nous avons SCP-682. Ok, stylé. Attendez, parlez pas. Ouais, elle a parlé, elle a parlé. Laissez-moi parler là, laissez-moi parler, je suis en train de parler aux abonnés. C'est un peu trop le bazar depuis tout à l'heure là. Vous me laissez parler aux abonnés quand je parle aux abonnés. Du coup, ici nous avons SCP-96. Ok, stylé aussi, SCP-96. Ici, du coup, nous avons SCP-173. Ok, pas mal. Et pour finir, nous avons SCP-1057. Ok, ok, je sais pas par lesquels je vais commencer. Mais en tout cas, les abonnés, sachez que tous ces consommables, ils vont me permettre de me transformer en exactement, eh bien, le descriptif de ce consommable et l'image de ce consommable. Du coup, par exemple, si je mange, eh bien, ce consommable de Cartoon Cat, je me transformerai en Cartoon Cat. Voilà, c'est aussi Diabolo simple que pour ça. Dire. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc à dire d'un... Alors, mange SCP-682 à la fin et tu comprendras pourquoi. Il faudra le manger dans un endroit spécifique et je te montrerai où. Ok, ok, ça marche. Ok, ça marche, ça marche. Bon, du coup, en vrai, on est une bonne équipe aujourd'hui hein, pour ça. Mais du coup, ce que je voulais expliquer un petit peu aux abonnés. D'ailleurs, à 10 000 pouces bleus, on recommence ce concept. Je me rends de nouveau sur ce site du Darknet et je commande une nouvelle box surprise. Alors, il y a plein de thèmes différents. Voilà, il y a des thèmes super-héros. Enfin, vraiment, il y a des thèmes sur tout ce que vous voulez. Vraiment, tout ce qui est possible et inimaginable. Faut trop que tu transformes en Spider-Man, Diabolo. Ouais, non, mais en vrai, c'est carrément possible. Il y a des thèmes sur tout ce que vous voulez. Du coup, là, j'ai choisi les thèmes un petit peu monstres. C'est bientôt Spider-Man qui va sortir au cinéma. Ouais, de ouf. Mais là, j'ai pris un pack en gros. Genre, c'était SCP mélangé à personnage création de Trevor Anderson. Donc voilà, c'était le pack. C'était le pack là. C'est pour ça qu'il y a du Cartoon Cat, qu'il y a du Siren Head. Mais oui, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Oui, j'ai un petit cadeau pour ma mitraillette. Vas-y, montre. Wow, la classe là. Du coup, voilà, à 10 000 pouces bleus, les abonnés, donc vous bombardez ce pouce bleu. Voilà, vous bombardez et on recommence ce concept. D'ailleurs, tiens, je vous fais un petit cadeau pour cet épisode là à 7500. 7500. Ça veut dire que moi j'ai vraiment envie de refaire ce concept parce que c'est très très cool. À 7500, on refait ça. Bon, du coup, les abonnés, tout ça, ça va me servir de me transformer. Mais du coup, j'ai un petit peu peur aux transformations parce que je me dis, voilà, ça peut partir en live. Du coup, ce qu'on va faire. Diablo, t'as bien un truc dans la boîte. Eh bien, j'ai rien oublié. Mais du coup, ce que je disais aux abonnés. Ah ouais, bon, c'est bon, une bière, non, c'est bon, non, merci. Mais du coup, ce que je disais aux abonnés. Je pense que Jackie est passé par là. Hein. Oui, Jackie a dû passer par là. Mais du coup, laissez-moi terminer. J'aimerais bien parler aux abonnés, s'il vous plaît. Tout le monde parle en même temps que moi au début de cette vidéo. Du coup, ce que j'aimerais bien expliquer aux abonnés. Du coup, voilà, ce que je voulais dire, c'est que je pense construire une salle sécurisée pour ma famille, parce que j'ai un petit peu peur de ces consommables. En effet, je sais pas trop, voilà, ça reste un site du Darknet. Du coup, ça se peut que ça parte en live. Et que lorsque je me transforme en monstre, eh bien, je n'arrive pas à me contrôler. Du coup, j'aimerais bien construire une petite salle sécurisée pour que l'ensemble de ma famille soit à l'abri. Il y en a qui vont me dire, mais utilise tout simplement le bunker que t'as construit dans le dernier épisode. Le problème, c'est qu'il est quand même bien amoché, notre bunker. Voilà, pour ceux qui ont vu les derniers épisodes, il y a Godzilla qui nous a attaqué avec un lanceur nucléaire, c'était assez vénère. Mais du coup, au final, il a pas tiré ses bombes nucléaires, il a juste tiré des missiles. Mais voilà, le bunker qu'on avait construit, il a pris quand même assez cher. On va aller le voir vite fait en speed pour vous montrer. Ça, c'était dans la dernière vidéo pour ceux qui l'ont pas vu. Let's go, regardez. Oh, regardez, c'est assez vénère. Voilà, c'est un petit peu fait défoncer. Du coup, là, juste ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite salle sécurisée au sein de la maison dans laquelle, eh bien, pourra se réfugier ma famille. Voilà, ça va être pas mal. Du coup, let's go. On va construire cette petite salle sécurisée et ensuite, on va, eh bien, utiliser ces consommables pour me transformer dans les différents SCP et découvrir un petit peu, eh bien, les pouvoirs que chaque SCP a. Et puis aussi les apparences qui vont être assez stylées, je pense. Du coup, allez, venez tous. On va construire Diabolo, cette salle. Diabolo, viens à la fontaine avant. Okay, viens à la fontaine devant la maison. Vas-y, j'arrive à la fontaine devant la maison. Voilà, d'accord. Si j'y arrive. Ok, let's go. Ok, let's go, c'est parti. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Waouh, vous faites du jet ski à l'intérieur. Non, mais je suis mort. Non, c'est même pas du jet ski, c'est du. Comment on appelle ça déjà? C'est de la parapente. C'est du jet ski en vrai. Non, c'est du jet ski. Ouais, c'est du jet ski, c'est ça. Non, c'est de la parapente. Moi, j'aimerais trop en faire. J'en ai jamais fait. Dites-moi les abonnés si vous aimeriez faire du jet ski. En vrai, je suis intéressé par ça là. Ça a totalement rien à voir avec la vidéo, mais vas-y, Osef. Dites-moi en vidéo qui a déjà fait du jet ski et qui aimerait bien en faire. Moi, j'aimerais trop en faire. Bref, du coup, let's go. Il faudrait qu'on choisisse des matériaux. Monsieur YouTube, je sais que t'es un petit peu spécialisé là-dedans et tout. La dernière fois, t'as été quand même d'une grande aide quand on a construit le bunker justement contre Godzilla. Du coup, j'aimerais bien savoir quel matériau pourrait être utile. Eh bien, pour vraiment faire une pièce protégée dans cette maison. T'as des petites idées ou pas? Alors déjà j'ai une petite idée, ce serait pas mal de faire aussi du béton armé avec du béton et du métal. Sinon on pourrait utiliser de l'obsidienne parce que c'est classique et ça résiste aux explosions bien entendu. Et de la bedrock surtout, bah c'est le meilleur bloc. Bah après la bedrock ça coûte trop cher en vrai de vrai. Du coup ce que je pense qu'on va faire. J'ai la YouTube Money, je crois qu'il m'en reste un peu. Ah il te reste? Ok ça va. Mais du coup il me reste un stack de YouTube Money, mais voilà tiens.
Vas-y, ok, ok. Bon, on va voir ça, on va voir ça après. Du coup, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner une pièce, et bien qu'on va sécuriser au maximum. Est-ce qu'on la met à l'étage? Est-ce qu'on met au rez-de-chaussée? Oh, la pièce du cinéma, elle est assez grande, non? Ouais, mais elle est vraiment trop grande en fait pour être sécurisée. Je pense qu'il faudrait plutôt, genre par exemple, tu vois, ça. Cette pièce-là, en vrai, elle est pas mal. Regarde, là où on a la salle à manger en fait. On va casser toute la table. Ah, on va la casser le garage entièrement. Sinon, enfin, le garage, ce serait pas mal. Ouais, mais le garage, c'est la chambre de. Ah non, tu. Ah ouais. Le garage extérieur, tu parles? Bah ouais. Vas-y, go. Ok, on va aménager du coup ce garage extérieur. En plus, on a déjà du béton, regarde. Pour faire mais pourquoi j'ai récupéré de bien encore? Mais du coup, let's go. On va aménager. Alors, du coup, c'est parti. Déjà, on va. Je pense. Déjà, en plus, on a déjà du béton. Ça, c'est cool. Ok. Bon, en vrai, on est vraiment pas mal. Du coup, c'est parti. On va sélectionner tout ce qu'il faut, et bien, comme bloc. Et on va construire cette salle, et bien, ultra sécurisée au cas où si ça part en live. Re les abonnés. Alors, comment on s'est organisé? Et bien, c'est très simple. Moi, je suis allé récupérer du coup une porte blindée. Qu'on va placer directement, voilà, on va la placer ici, voilà. Et tout autour, eh bien, il y a simplement Monsieur YouTube qui est parti chercher tout ce qu'il faut pour, du coup, créer cette salle sécurisée à l'extérieur de notre jardin. Du coup, let's go, on attend Monsieur YouTube. Et une fois qu'il est là, eh bien, voilà, on va pouvoir se mettre bien et pouvoir construire notre salle ultra sécurisée. Ça va être vraiment parfait. J'arrive, Diabolo, je sais pas si tu m'entends, je suis là. Ah, sur la c'est route. Bon, ok, il arrive avec son caddie. Ok, nice. Ok, donc du coup, t'as trouvé quoi comme matériau qui peut être pas mal là pour faire la petite pièce? Alors, tiens, je vais te les donner si tu veux. J'ai 3 stacks d'obsidienne, je suis intéressant. Vas-y. Ok, 3 stacks d'obsidienne, c'est pas mal. Du coup, on va. Ah non, j'en ai un peu plus, j'en ai 5. Ouais, j'en ai 5. Est-ce qu'on remplace vraiment tout par de l'obsidienne ou alors on fait juste les bordures, tu vois? Ici, genre. Les bouts d'obsidienne. Sinon, j'ai du. Je pense que les bordures seraient bien. Après, on pourrait aussi entourer le béton d'obsidienne, tu vois, pour faire un peu plus de relief. Ça pourrait être sympa. Bah, déjà, regarde, oui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de la structure. On va se servir de la structure, tu vois, qui est déjà existante. Voilà. Et ensuite, on va placer de l'obsidienne. Et ensuite, voilà, à l'extérieur, on va peut-être pouvoir faire quelque chose de pas mal. Du coup, déjà, on se sert de la structure existante pour, eh bien, construire ce petit. Ça va être utile, enfin, ça va être plutôt pas mal. J'ai encore un peu d'obsidienne. Hop là. On va faire un petit. Ok, par contre, j'ai mis de l'obsidienne sur le côté à la zub. Eh, pousse-toi là. Pousse-toi, Bouba, je peux pas poser. Hop, let's go. C'est bon. Ah mince, j'ai pas pris ma pioche, donc quelqu'un devra casser à ma place. C'est vraiment nul. Ouah, t'as pas pris ta pioche cheatée? Ah ouais. Je pas, du coup, j'ai pas pouvoir casser. Ok, eh ben attends, mais Bouba, toi, tu dois. Eh, énerve-toi un peu, Bouba, tu vas nous casser ce bloc là. Tu vas avoir la force. Je oui bon tu t'énerves pas trop non plus. Mais vas-y essaye de casser ça qui dépasse là. Parce que j'ai mal posé. Essaye de casser ça. Mais j'ai pas besoin de m'énerver. Ah ouais t'as même pas besoin de t'énerver. Vas-y casse. Ah bon c'est bon il a cassé. Bah du coup on s'est servi de la structure déjà pour faire eh bien les petits trucs en obsidienne. Donc là déjà c'est plutôt pas mal. Franchement c'est pas mal. C'est pas dégueu, c'est plutôt pas mal. On a déjà une bonne protection. Puisque déjà voilà. Si on fait ça tu vois. Encore plus solidifié là. Ah bien vu. Ah ouais j'avoue de ouf. Ça solidifie bien comme il faut. Ok let's go. J'ai cassé la porte. Hop. Mais pourquoi t'as cassé la porte? Mais pourquoi mais Josette, mais what the fuck? Mais comment t'as fait pour casser la porte? Mais à quel moment c'est une porte blindée? Bah c'est sans faire exprès. Mais t'as pas de force. Mais bah j'ai de la force qui t'a dit j'avais pas de force. Je pense que c'est un mystère qui elle a pris la bière de Jackie hein, c'est sûr. Ouais mais c'est un mystère qui restera pas très résolu, mais va falloir que j'aille chercher une nouvelle porte blindée du coup. Bon soit on va aller chercher une nouvelle porte blindée les abonnés. Je vais ramener une nouvelle porte blindée les gars. Les abonnés, j'ai une nouvelle porte blindée. OK stylé, ça a été carrément amélioré. OK du fer c'est assez résistant ça aussi. Du coup c'est top. OK du coup nous avons une nouvelle porte blindée. Ok, et là franchement, je pense que c'est vraiment pas mal. Du coup maintenant ce qu'il va rester à faire, eh bien peut-être le toit il est en train de l'améliorer je crois. Ouais, t'es en train de d'ailleurs j'ai un petit stack de bedrock Diabolo vu que ça coûte cher, j'en ai qu'un seul, du coup je te le donne. Wouah, je sais pas si je vais l'utiliser en vrai. On va peut-être l'économiser en vrai pour des choses plus importantes. Parce qu'imaginons que genre ça sert à rien. Bon voilà, ça va pas être très utile. Par contre j'ai pas de bloc, attendez il faudrait un peu de bloc. Quelqu'un un peu de blocs s'il vous plaît pour moi. Des blocs de quoi? N'importe lesquels vraiment. Tiens, faut aménager l'intérieur. Ok merci. Hop. Ouais ah, en fait l'aménager l'intérieur en fait on va pas vraiment l'aménager. On va juste mettre des armes au cas où. On va mettre des armes pour vous. Ok. Ok bon le toit il est en train de l'être largement amélioré. Ok nice. Je vais faire un petit escalier tiens pour. Wow. Ok. Tac tac tac. Wow t'es nul. On va faire un petit escalier pour s'y rendre, pour voir le haut tout à l'heure. Voilà. Ouais, pour du information, coup, c'est Bouba qui m'a aidé à monter parce que. Ce qu'on va faire, que, c'est que, eh bien, on voler, va mettre quelques coffres avec justement des armes. Du coup, voilà. Hop, let's go. Voilà, j'ai placé les coffres. Manque plus que les armes. C'est bon, les abonnés, pendant qu'ils finissaient le bunker, eh bien, j'ai rempli les coffres. Voilà, tout un tas de munitions, des guns, des mitraillettes. Voilà, il y a tout ce qu'il faut dans le bunker. Et du coup, regardez le bunker, il s'est largement amélioré. Voilà, on va aller voir d'ailleurs le toit. Mais voilà, ils ont fait aussi le sol. Voilà, c'est vraiment. Très très le toit il est blindé tu vas let's voir go. On va aller voir un petit peu le toit. On a travaillé dur hein. Ah oui d'accord le toit il est créé par Monsieur YouTube et Bouba l'associé. Je suis mort. Du coup franchement non, voilà c'est là Bouba, le...
La salle, franchement, c'est plutôt pas mal. Là, vraiment, on est vraiment sur quelque chose de très très lourd. Du coup, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par mettre. Oh, en plus, il va faire nuit. Oh, génial. Et vous voulez que je commence par me transformer en quoi? Vous voulez que je commence par me transformer en quoi, en vrai de vrai? Par comme tu veux. J'ai plein de trucs, hein. J'ai vraiment. Déjà, tu commences, tu veux, moi, j'y connais rien. Tu finis par 682 parce qu'il y aura un endroit pour te transformer. Ok, alors, alors je finirai par 682 parce que je pense que déjà c'est l'un des plus stylés. Je crois qu'il est vraiment lourd le 682. Et en plus de ça, vraiment. Ouais, il est vraiment stylé. Je te le décrirai plus tard comme tu veux. Vas-y, décris-le-moi maintenant, tiens, on va faire ça maintenant. Alors, SCP 682, c'est un lézard déjà. Un lézard mort-vivant, enfin il est immortel, bien entendu. Tu vois ses os, tu vois des mains qui ressortent de lui, etc. Ok, donc un lézard zombie un petit peu. Un lézard zombie un peu. C'est Spartax. Ouais, la fondation actuellement, enfin la fondation du coup SCP, c'est de l'éliminer, mais elle n'a jamais réussi. Ok, ah ouais, c'est un coriace. Il est emprisonné dans une stase d'acide. Ok, stylé. Okay, et il a la faculté de grossir et de rétrécir en fonction de ses humeurs ou en fonction des dégâts qu'il subit. Wow, il a l'air incroyable celui-là. Bon, on se le réserve pour la fin, les abonnés. Ce qu'on va faire entre temps, moi, ce que je vous propose, c'est que je commence par Cartoon Cat en vrai. Cartoon Cat, ça fait pas mal. En plus, Cartoon Cat, je pense que voilà, c'est pas trop vénère. Du coup, on commencera tranquillement, tu vois. Et il y a du SCP-96 aussi, hein. Il y a du lourd en vrai. Il y a du SCP-1057. Tellement hâte. En vrai, me transformer en requin dans l'eau et tout. Waouh, j'ai hâte de ouf. Bon, on va commencer avec Cartoon Cat, les abonnés. Ok, les abonnés, je commence. C'est parti, je mange Cartoon Cat. Ok, c'est bon, c'est mangé. Wow, là, je crois que je viens de grandir. Ok. Waouh, je suis Cartoon Cat. Incroyable. Ok, bon. À part du coup le fait qu'il soit très rapide, Cartoon Cat, et l'apparence qui est assez stylée, en vrai y'a pas grand chose. Diablo, tu, genre y'a pas plus de cœur. Ouais, tu me trouves stylé en vrai? Ah ouais, moi Cartoon Cat, je stylé, tue, hein. Oh là, regardez-moi. Bah oui, c'est trop stylé. Je suis Cartoon Cat. Yes, c'est trop stylé. Ok, bon, pour l'instant j'ai pas de trucs bizarres un peu et tout. Mais du coup, je suis Cartoon Cat. Et ça, franchement, ça tue, hein. Ça tue, je cours méga vite. Par contre, je cours vraiment tellement vite. Eh, venez, y'en a pas un qui veut faire une course face à moi? Qu'on fasse un petit départ, arrêtez là. On fasse une course rapide. Je veux faire la course. T'es chaud, Tom, faire une course? Vas-y. Vas-y, attendez, il faut qu'on se mette. Genre, on commence, tu vois. Attends. Faites une ligne de départ. Faites une ligne de départ. Une potion à Tom pour qu'il fasse la course avec toi. Non, on va laisser juste le départ arrêter. Moi, j'ai envie de voir comme ça. Faites une ligne de départ. Okay. Une ligne de départ, et ensuite, vous faites les 3-2-1. Et ensuite, ce sera le premier arrivé à un endroit. Ok, mamie Josette, t'as la flemme, mamie Josette? Oui, attends, j'ai la flemme. Moi, je vais faire la course avec vous. Ok, let's go. Ok, c'est bon. Du coup, on se met derrière. Et Bouba, tu vas faire un 3-2-1 et on est parti. Ok. Et c'est le premier. C'est le premier qui est arrivé, tu vois, qui passe les deux tours là. Ok, les deux tours de gay. 3-2-1. Go! C'est parti! Wow! Mais what? Wow, avec son quad! Enfin, son quad, qu'est-ce que je raconte avec son karting? Oh, il va trop vite, monsieur YouTube! Et Tom! Oh, j'ai mis la mijère dernière! Et il y a Booba qui arrive, et il y a mamie Josette dernière, étonnamment! Bon, du coup, voilà! Ok! Ouais, bon, t'as gagné! GG! Bon, du coup, je vais me remettre dans la maison! Enfin, je vais me remettre dans la maison! Je vais aller dans la maison, et on va manger, du coup! Il faut juste que je fasse un petit peu d'exercice pour avoir faim! Et on va manger du coup, eh bien, un nouveau consommable pour me transformer en un nouveau, eh bien, monstre. J'hésite. En vrai, oh non, je serais trop chaud de tester SCP-1057. En vrai, Non, vas-y, on va faire ça. On va bien manger ça dans la cuisine. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, on va aller faire ça. Du coup, on va manger le consommable de SCP-1057. C'est parti. Moi, je vais t'en prendre un. Enfin, du coup, pour le manger, il faut peut-être plutôt que j'aille me mettre dans l'eau. Je vais les mettre dans l'eau plutôt, les abonnés, ce sera un petit peu mieux. Ouais, allez, mets-toi dans l'eau. On t'enferme dans le bunker. Let's go. C'est bon, je suis dans l'eau. Et d'ailleurs, les effets de Cartoon Cat commencent à s'estomper. Enfin, ça commence à disparaître. Du coup, let's go, je vais manger SCP-1057. C'est bon, let's go. Wow. Ok, je viens de me transformer en SCP-1057. Oh, c'est incroyable. Tu vas trop vite dans l'eau, Diabolo. Bah là, pour l'instant, je vais pas très vite, mais je pense que. Comment oh, comment je peux aller vite? Oh, c'est incroyable, regardez la vitesse. Et en plus j'ai l'impression que je suis immortel. What the fuck, je sais pas que SCP-1057 était immortel. Par contre, du coup, nos fonds marins, ils sont vraiment très moches, hein. C'est là qu'on voit que nos fonds marins, ils sont vraiment pas beaux. Parce que du coup j'ai une vision de fou furieux sous l'eau. Mais nos fonds marins, du coup, sont très moches. Bon, stylé en vrai. Stylé. Ok, bon bah en vrai c'est cool, hein. En vrai je kiffe, c'est vraiment pas mal. J'apprécie beaucoup. On voit vraiment bien sous l'eau, mais genre vraiment, mais vraiment trop bien. On voit tellement loin, c'est incroyable. Bon, par contre, du coup, il y a vraiment rien sous l'eau, c'est un peu décevant. Il y a un coffre ici. Qu'est-ce que c'est que ce coffre? On va aller l'ouvrir, voir, checker vite fait. Je peux pas l'ouvrir. Bizarre. Bon, en tout cas, SCP-1057, c'est bien sympa, mais ouais. On va voir un petit peu si on frappe, est-ce que ça fait quelque chose. Ah, je vais lui mettre une petite tape pour voir. Est-ce que je peux le croquer un petit peu?
Je pense qu'il fait un peu. Waouh, waouh, hop, je te croque, je te croque, je te croque. Je te croque, je te croque. Pourquoi tu croques ton enfant, Diabolo? C'était sérieux là? Waouh, par contre, il y a des effets. Oh, il y a des effets bizarres là, comme si j'étais. Waouh, waouh, waouh. Oh, il y a des effets extrêmement chelous, hein. Waouh, j'ai l'impression d'être défoncé. Bizarre. Bizarre, SMS 57, c'est peut-être des effets secondaires. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Bon, on va en manger un nouveau là, parce que clairement, je sais pas ce qui se passe, mais il y a des effets secondaires très étranges qui sont en train de se passer. Je vous propose. Waouh, 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 j'ai pu sortir de l'eau, mais what? Bon, je vais manger. Eh bien, SCP-96, parce que là, vraiment, je comprends pas ce qui se passe. C'est bon, les abonnés, je viens de consommer le consommable de SCP-096. C'est incroyable, je crois que je suis SCP-96. Waouh! Waouh, c'est tellement stylé. Diabolo, je te regarde pas dans les yeux, hein. Je suis SCP-096, j'ai réussi à être. Waouh, incroyable! Beaucoup trop stylé. Oh, c'est incroyable. Alors là vraiment je kiffe, hein. Je suis SCP-096, du coup je vais vite, ça c'est une chose. J'ai plus de vie, et... oh, j'ai une vie de fou furieux. J'ai vraiment beaucoup plus de vie. J'ai beaucoup de force, j'ai l'impression que je vais tester sur Booba. Je t'ai mis cher ou pas Booba là? Oh, deux coups de main. Je te regarde pas dans les yeux, je t'ai one shot. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, me regarde pas dans les yeux. Et d'ailleurs, les abonnés, vraiment trop bizarre. SCP-056, c'est comme si j'étais totalement défoncé. Bon, après, moi, je connais pas trop, mais j'imagine que ça doit être comme As. Genre, vraiment, ma vision était toute troublée, etc. Genre, et c'était bizarre, hein. Je sais pas, genre, j'avais des coupures et trop bizarre. Il y a peut-être des effets secondaires en vrai, hein. J'ai commandé ça sur Darknet, faut faire gaffe, hein. Si tu trouves, il y a des trucs, je sais pas, c'est mélangé à tout et n'importe quoi. Je sais pas trop. Bon, en tout cas, très stylé, SCP-96, très stylé, hein, vraiment c'est incroyable. Eh, je peux plus te frapper, comment ça se fait là? Qu'est-ce qui se passe? Et moi je risque rien comme ça. Y'a Diablo, je peux te regarder, je risque rien. Je risque rien. Wouah, monsieur YouTube est tellement explosé. Enlève ton masque pour voir comment t'es, monsieur YouTube. Je vous rappelle qu'il faut vous abonner, hein. Je te regarde pas, je te regarde pas. Bon, du coup, on va passer eh bien à quelque chose de plus important. On va passer au consommable SCP-682. Let's go. Let's go ou quoi? Let's go, let's go. Ok, ok, je te suis. Alors, du coup, faut que je t'emmène à la salle. Mais pourquoi y a besoin d'une salle et tout, en fait? Je comprends pas trop pourquoi. Parce que là j'ai avoir un petit tour de magie en plus, parce que la transformation va être un peu longue, du coup je vais l'accélérer. Ok, vas-y, ok, ça marche. Bon bah vas-y, je te suis, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans cette salle. Un petit peu secrète, les abonnés, on va dire. Du coup, eh bien je vais me transformer en SCP-682. Du coup, le SCP que je pense que tout le monde attend, puisque voilà, c'est le SCP que j'ai choisi de me transformer, mais il a l'air vraiment incroyable. Ok, du coup là c'est barricadé, ça a l'air d'être interdit. Ok, je suis en SCP-487. Ouais, attends, je vais prendre une pioche. Vas-y, j'attends, vas-y, let's go. Avec une pioche en fer, on va casser la porte. Ah, okay. Regarde, tu vois. Ah, mais attends, mais je peux pas passer moi par contre ici, hein. Je peux pas passer. Bah attends. Il va falloir que t'agrandisses un peu parce que. On va faire de l'espace là. Sinon, ça va être compliqué, hein. Moi je suis assez grand. Regarde, là c'est bon, je peux passer. Là c'est comme ça. Là il va falloir que tu fasses un peu d'espace. Ok, let's go. Passe par là, pas sur les côtés. Attends, je casse ça. Ok, vas-y. Mais what? Mais on va où là? On va où? Où est-ce qu'on va, les abonnés? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Ok, nous y sommes. Nous y sommes. Ok, heureusement je peux sauter loin. Mais what? Mais qu'est-ce que c'est que cette salle? Mais c'est quoi cette salle, monsieur YouTube? Du coup, je propose que je mange le consommable ici, genre. Ouais, faut que tu te mettes au milieu, exactement. Ok. Et du coup, faut je vais manger faut le faut que tu manges, bien entendu. Le SCP-682. J'ai très très hâte, les abonnés. Ça va être incroyable. Ok. Let's go. Ok, c'est parti. Wow, what the fuck? Je viens de me transformer. Ouais, y a de la foudre. Je suis. Ouais, y a de la foudre qui tombe sur moi. Mais c'est quoi ce délire? Non, mais c'est quoi cette salle là? Non, mais attendez, par contre. Non, mais je comprends. Je comprends pourquoi la fondation SCP n'arrive pas à buter SCP-682. J'ai une barre de vie. Vous verriez ça. Faut se barrer là. Non, mais faut se elle est incroyable. Et ouah, je me courir, sens tellement Booba, puissant pas. What? Mais what? Mais attends, mais je suis. What? Je suis tout petit. En fait, je suis tout petit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis aussi petit? Tu grandis, tu rétrécis. Ah, je grandis, je rétrécis. Genre, tu. Ah, là, du coup, je commence à. Ah, ouais, là, je suis en phase petite, genre. Je suis en phase petite, mais je peux devenir gros, c'est ça? Ok, donc là, pour l'instant, je suis petit. En tout cas, je vais fuir, mais je me sens quand même pas extrêmement puissant. Ok, pour l'instant, je suis tout petit, les abonnés. Wow! Comment je viens de grandir? Mais effectivement, il avait raison. En fait, bah, soit on est petit, soit on est gros, on a toutes les tailles. What? Mais là, regardez la taille que je viens. Faut fuir. Mais what? Mais what? À quel point je suis énorme? C'est un truc de malade. Wouah, et je me sens d'humeur à attaquer des gens là. Je suis tellement puissant. Ouais, on attend qu'ils sortent quand même. Je suis tellement puissant. Regardez. Wouah, et là le premier que je chope, il est mort. Le premier que je chope, regardez. Ils peuvent rien faire, hein. Ils mourront jamais. Wouah. Attention, monsieur YouTube, je vais t'avoir. Ok, Booba.
Prépare-toi à fermer la porte, Booba. Allez, Booba, allez, je l'ai tué. Allez, je me sors du beurre à attaquer. Il est où, Tom? Tom, t'es passé où? Mamie et Josette, vous êtes passé où? Je suis monté sur le bunker, Ouais, mais je suis tellement puissant. Je suis tellement puissant, c'est impressionnant. Ah là, je suis devenu petit. Regardez, je suis devenu petit. C'est énorme. Et attendez, on va voir. Là, pour l'instant, je suis petit. Je vais devenir énorme, à mon avis. Je vais devenir énorme. Ok, Tom, j'ai envie de te manger. Tom, j'ai envie de te manger. Attention à toi. Ok, regardez. Eh, Diabolo, tu m'auras pas. Je poursuis Booba. Allez, let's go. Il est où? On va tuer Booba. Alors, c'est assez compliqué comme ça parce que là, du coup, je me vois à la troisième personne. Ok, oh, il a fermé le bunker, je peux pas. Alors là, pour l'instant, je suis toujours petit. Je suis tout petit. Allez, let's go. J'espère que je vais venir un peu plus gros. Oh, il est galère à viser, on n'arrive pas à le viser. Bah ouais, vu que je suis petit, c'est vrai que c'est un peu galère. Alors, on va attendre que je revienne gros. Je ne trouve pas trop, par contre, le fait de passer de petit à gros. Hein. Je sais pas comment je vais revenir gros, là, on va attendre un petit peu. Wow, ok, je suis devenu de nouveau gros. C'est énorme. Je suis énorme, regardez-moi. Alors, t'as peur de m'attaquer, Diabolo? Bah, en vrai, tu sais que tu me fais vraiment pas peur parce que... Franchement, bon, tu me mets des coups, mais il en faudrait vraiment beaucoup plus pour m'atteindre. Hein. Avec un minigun, ça fera l'affaire. Vas-y, en vrai, essaye avec un minigun. Et en vrai, avec un minigun, ça fait des dégâts, mais en vrai, enfin, si j'essaie de fuir, tu vois, genre, je récupère assez. Enfin, c'est vraiment impossible, je pense. Allez, attaque-moi un peu, Diabolo. Bon, en vrai, du coup, les peu, abonnés, ouais, je suis nouveau, petit. Je suis nouveau petit, en plus, ça va être compliqué pour vous de me. Attaque-moi, Diabolo, là. Bon, du coup, les abonnés, en vrai de vrai, c'était plutôt sympa tout ça. Mais on va finir là-dessus. Diabolo, attends, j'ai envie juste normalement. Les zéphirs, ouais, vas-y, attends, parce que j'ai dit que. Ouais, vas-y, bah, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je t'attaque? Essaie de me tuer, t'inquiète. Allez, mon totem il marche, allez. Le totem il fonctionne. Oh. Bon, les abonnés, je crois que j'ai fait une bêtise. Ce qu'on va faire, les abonnés, c'est que dans le prochain épisode, eh bien, par le prochain ou celui d'après, on saura si monsieur YouTube... Ah, bon, je suis pas mort, le totem m'a fait rappel. Ah, le totem, ok, ça va. Bon, du coup, les abonnés, je pense qu'on va se laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Normalement, c'est 6 heures avant que je me transforme en Diabolo. J'espère juste pas avoir des effets secondaires. Je vous tiendrai au courant dans la prochaine vidéo. Un grand merci aux acteurs qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Du coup, il y avait Honor, il y avait Scrimex, il y avait Com. Et il y avait Slizer, donc voilà, toutes leurs chaînes sont en description. Dans le cadre de Slizer, c'est sa chaîne Twitch. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était plutôt assez cool. Je me suis transformé en tout plein de SCP. 7500 pouces bleus et on refait ce concept avec d'autres choses. Ça peut être par exemple des super-héros ou quoi. Une nouvelle box surprise du Darknet. Et puis voilà, allez, bye tout le monde, les potos, je vous aime et à très très vite.